the pretty girl has everything. But first, she has wonderful cream puff. Cream puff by Max Factor. With a kiss of a puff, this perfect blend of creamy base and sheer powder creates her flawless complexion. Cream puff by Max Factor. Perfect for a makeup and a touch-up, too. Suddenly, with cream puff, your beauty takes wings. Sheer sensation of sheer loveliness. It's Cream Puff. Cream Puff by Max Factor. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a quelques années, j'avais sorti une vidéo « Pourquoi j'ai arrêté de me maquiller ?» Une vidéo pleine de bonne volonté, d'arguments, dans laquelle j'avançais que le maquillage était une soumission à une norme, une soumission aux hommes. Bref, une pression imposée dont je souhaitais me libérer. Et j'ai passé au moins 6 ans sans porter de maquillage. Par conviction, par volonté de m'affranchir des normes imposées. Et pourtant, j'ai bien changé de point de vue sur le maquillage aujourd'hui. Pourquoi ? C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Body positive, maquillage, image de soi. Qu'est-ce que j'ai retenu de ces 6 ans sans maquillage ? Je tiens à faire cette vidéo car en réalité, le sujet du maquillage est un prétexte pour parler de l'image de soi, pour aborder aussi le sujet de l'influence et de la fausse bienveillance de certains mouvements. Ces mouvements se disant libérateurs et étant finalement plutôt oppresseurs. Aussi, j'aimerais souligner le fait qu'on parle beaucoup de patriarcat, de masculinité toxique, mais j'aimerais nuancer un petit peu le propos, en tout cas pour ce qui concerne le maquillage. Je vais parler de mon expérience personnelle, mais j'aimerais aussi beaucoup échanger avec vous à ce sujet pour avoir votre point de vue. Pour ce qui est de mon rapport personnel au maquillage, j'ai commencé à me maquiller à l'âge de 13 ans environ, et je me maquillais beaucoup surtout entre mes 15 et 20 ans. J'avais un style alternatif, j'avais un style gothique métalleuse que j'aimais beaucoup, donc j'avais le maquillage qui allait avec assez prononcé. Et puis il y a quelques années, quand j'ai eu 21, 22 ans, j'ai eu une sorte de prise de conscience post-adolescente, augmentée par le fait que j'avais commencé à prendre soin de mes cheveux de façon naturelle, avec des produits naturels. Je me suis mise à réfléchir plus globalement, parce que finalement j'utilisais des soins bio, j'utilisais moins de produits, et je me suis dit pourquoi pas également réduire le maquillage. Alors cette réflexion rapidement a conduit à un arrêt progressif du maquillage, puis par un arrêt total assez rapidement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai eu cette réflexion jusqu'à l'arrêt total du maquillage, il s'est écoulé un petit peu moins d'un an. Alors à l'époque, c'était un petit peu rebelle de se dire « j'arrête de me maquiller, je ne vois pas pourquoi ce serait une obligation, en fait c'est une soumission à une norme ». Enfin, vous voyez le genre de discours qu'on peut avoir quand on manque encore un peu de maturité et qu'on cherche une cause à cette sensation de mal-être et qu'on a envie un peu de s'émanciper. Je pense aujourd'hui avec le recul qu'il y avait aussi un côté quand on est intelligente, on se maquille pas. Quand on se maquille, les gens pensent qu'on est stupide, qu'on base tout sur son apparence. On passe plus de temps à se pomponner qu'à s'instruire, donc ça donne une mauvaise image. Et puis en tant que femme, il faut lutter contre ça bien sûr, puisque les hommes n'ont pas à se maquiller, donc ce n'est pas équitable. Enfin, ce genre de choses. On va voir que c'est un non-sens, mais en tout cas, eh bien, c'était ma pensée de l'époque. Et puis c'était appuyé en parallèle par de micro-mouvements qu'on voyait naître sur internet, des mouvements qui prenaient la même chose, c'est-à-dire il faut se libérer du maquillage, il faut arrêter, c'est une injonction. On voyait beaucoup de blogueuses un peu nature, bio, dire qu'elles arrêtaient le maquillage et que c'était la fin d'une pression et une liberté retrouvée. Donc plus je voyais ça, et plus je me suis convaincue que ma réflexion était la bonne, que j'avais raison et que j'étais sur la bonne voie. Et j'ai même fini par penser que le maquillage, c'était malsain et qu'on se faisait du mal en se maquillant. Alors c'est vrai qu'il y a un aspect malsain pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a un côté addictif. Un double sens d'addiction même, puisqu'il y a ce côté addictif où on va vouloir acheter énormément de produits, où on a besoin de plus de produits pour se démaquiller, pour prendre soin de sa peau. On a envie de consommer plus, on voit une très belle palette, on a envie de l'acheter, c'est plein de très belles couleurs. Donc il y a cette addiction consommatrice. Il y a une addiction aussi de l'ordre de la dysmorphophobie. Et là, c'est addictif dans le sens où on s'habitue en fait à une image altérée petit à petit. C'est-à-dire qu'à force de se maquiller, à force de le faire vraiment tous les jours sans interruption, on va s'habituer petit à petit à cette image qu'on voit dans le miroir, qui sera finalement l'image qu'on voit le plus. Et à force de modifier ses traits tous les jours, eh bien, une fois qu'on se démaquille, on va avoir la sensation que notre visage naturel est difforme. On se trouve de moins en moins belle et on arrive de moins en moins, voire plus du tout, à sortir de chez soi sans maquillage.
Et c'est particulièrement violent quand on utilise des techniques de maquillage sculptantes comme le contouring, ou qu'on cache avec beaucoup, beaucoup de fond de teint, avec une très grande couvrance, des détails qui nous complexent. On peut vraiment arriver à avoir cette sensation de malaise qui nous envahit quand on se démaquille et qu'on se retrouve confronté à son image réelle. Donc entre cette addiction consommatrice et cette addiction à une image altérée, il y a un double aspect effectivement malsain. Et il faut y faire attention, surtout quand on est très jeune. La deuxième raison pour laquelle le maquillage peut paraître malsain, c'est le jugement des autres. Alors là, on va me dire le jugement des hommes. Eh bien, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Pour ma part, c'est sûrement différent pour vous, et c'est pour ça que j'aimerais vos expériences. En 15 ans, les remarques que j'ai entendues, elles venaient majoritairement des autres femmes. À part deux ou trois exceptions, bien sûr, mais les remarques cinglantes, les pressions, les commentaires désagréables, je les ai reçues principalement par des femmes. Au niveau du maquillage, hein, on est bien d'accord, je ne parle bien entendu pas du reste. On est vraiment sur le sujet du maquillage. Mais le jugement d'un homme, je l'ai vécu même plutôt dans le sens inverse. En fait, j'avais un compagnon extrêmement toxique, qui était complètement anti-maquillage. Et petit à petit, à force de manipulation, d'insultes déguisées, en disant « Ouais, le maquillage, c'est pour les pétasses, c'est pour les femmes qui veulent se faire draguer dans la rue, les fameuses », il avait fini, en tout cas, à force de commentaires de plus en plus exagérés, de plus en plus négatifs, par m'interdire totalement de me maquiller. Alors que, quand je l'ai rencontré, je me maquillais, je mettais des robes, je mettais même de hauts talons, puisque, comme je vous le disais, j'avais un style alternatif, donc c'était vraiment, en plus, très exagéré et visible. Et au total, avec cette relation-là, j'ai fini en total no make-up, en jean et t-shirt large. Il fallait être casu. Bref, j'avais 18 ans à l'époque, j'étais jeune, j'étais très immature, et je n'avais pas du tout le recul nécessaire pour voir les signaux d'alerte concernant cette relation, et donc je me suis laissée faire. En tout cas, de la part d'hommes, même de mes amis ou de mon entourage, je n'ai jamais entendu ce truc « fais un effort, maquille-toi, sinon ça fait négliger ». Par contre, ça j'ai pu l'entendre du côté féminin. Et ces jugements-là, effectivement, sont hyper malsains. Vous savez, les petites phrases assassines qu'on entend souvent, qui sont dites quand vous n'êtes pas maquillée, « Ah, t'es blanche, t'es pâle, ça va pas, t'as l'air malade !» Ou au contraire, « Dis donc, c'est un peu chargé ton maquillage, là !» Quand ce n'est pas « Il est pas très couvrant, ton fond de teint, on voit quand même que t'as des boutons !» En fait, ça va jamais. C'est systématiquement critiquable. Donc effectivement, le côté addiction qui arrive quand on a une mauvaise image de soi, surtout à l'adolescence, période à laquelle souvent on commence à se maquiller, et qui est renforcé par ce jugement des autres, eh bien cela donne un côté négatif au maquillage et un aspect malsain à celui-ci. Et donc c'était suite à ces observations que je m'étais dit « Stop, j'arrête définitivement, ça va être une libération d'arrêter ». Et pourtant le sans maquillage, je l'avais déjà vécu, de façon forcée on va dire, avec la relation toxique où du coup je ne me maquillais plus du tout pour gagner le respect de mon compagnon. Et la libération à l'époque, ça a été de pouvoir me remaquiller après. C'est paradoxal, mais là c'était pas mon choix, donc je me suis dit que cette fois-ci, ce serait ma démarche personnelle. Donc j'ai arrêté de me maquiller pendant au moins 6 ans, peut-être un peu plus, en tout cas il y a eu une période de 6 ans où je n'ai porté aucun maquillage. Et pendant cette période, si les premiers temps je me suis effectivement sentie libre, eh bien ça s'est assez rapidement dégradé. Petit à petit, j'ai constaté qu'il y avait plusieurs choses qui n'allaient pas. Alors premièrement, au début, ma peau allait bien. Rappelons que j'avais la petite vingtaine, je me contentais d'un nettoyage au savon de doux et tout allait très bon. Et puis petit à petit, le minimalisme s'est transformé en négligence. Parce que je pensais réellement que mettre des crèmes, des soins, ça ne servait à rien, que c'était juste un discours marketing, une pression pour que les femmes consomment, et que la peau n'avait besoin de rien d'autre, qu'on avait vraiment besoin d'aucun produit cosmétique pour avoir une belle peau. Entre-temps, j'ai eu 3 grossesses, alors avec les aléas des hormones, de l'allaitement et tout ça, eh bien ma peau, ça n'allait pas du tout. J'avais l'air hyper fatiguée, j'avais des marques sur le visage, des plis, les traits vraiment tirés, et c'est parti depuis que j'ai de nouveau une routine de soins, comme quoi c'est pas si inutile les crèmes pour le visage. J'ai une meilleure peau aujourd'hui que quand j'avais 23 ans et j'ai 30 ans. Puis surtout, il y avait quelque chose qui me gênait, c'était ces remarques qui se voulaient bienveillantes, mais qui en fait ne l'étaient pas du tout. Des remarques du style « Ah ouais, t'as raison de pas te maquiller, c'est une soumission au patriarcat. » C'est marrant parce que du coup, moi j'ai vraiment vécu l'inverse. Ou encore « Non mais le maquillage, t'as raison, hein, c'est pour les gens qui n'ont pas confiance en eux. Hein. C'est trop bien que tu sois hyper à l'aise avec ton image, de pouvoir assumer de sortir son maquillage. » Qui ressemble fortement au fameux « Ah là là, t'es courageuse, moi je pourrais pas. » C'est le genre de compliment entre gros guillemets qui
part d'une bonne intention certainement, mais qui est juste hyper jugeant et destructeur. On ne peut pas prétendre savoir qu'une personne est à l'aise avec son image sous prétexte qu'elle ne se maquille pas. Tout comme on ne peut pas présumer qu'elle a une mauvaise image d'elle-même sous prétexte qu'elle se maquille. Alors petit à petit, j'ai arrêté d'être aussi vindicative anti-maquillage, et puis j'ai recommencé à mettre un petit peu d'anti-cerne et de blush. Vraiment, j'ai recommencé par un maquillage imperceptible. Et quand je faisais ça, eh bien je ressentais une sorte de honte et de culpabilité. Je me disais que c'était malhonnête, que je trichais, que je cachais mes cernes, donc je me soumettais à une norme imposée. Je me disais que c'était du paraître et que j'avais sûrement un souci avec ma propre image. Et pourtant à l'époque, je n'étais plus du tout présente sur les réseaux sociaux, donc ça ne concernait vraiment que moi-même. Donc en gros, je me suis libérée du maquillage pour me sentir coupable quand j'avais envie d'en utiliser. Du coup, l'oppression, on se demande de quel côté elle est. En vérité, pour moi, il y a bien deux extrêmes et deux formes de pression. D'un côté, la pression pro-maquillage, il faut prendre soin de soi, il faut cacher ses petits défauts, qui est très influencée par le marketing aussi, qui crée des besoins qu'on n'a pas forcément. Et de l'autre côté, la pression anti-maquillage, c'est le mal absolu, c'est une soumission au patriarcat, c'est anti-féministe de se maquiller. Je pense qu'à un moment, il faut essayer d'être un petit peu plus modéré et de tendre vers la voie du milieu. Quand j'ai arrêté totalement le maquillage, c'était pour arrêter de me sentir obligée de faire quelque chose par pure pression sociale ou par nécessité pour pas me trouver laide sans maquillage. Au final, j'ai quand même fini par ressentir une pression parce que les jours où j'aurais eu envie de me maquiller, j'avais du mal à le faire et je ne le faisais pas par peur des remarques de mes connaissances et de mon entourage, des remarques du style « Ah bah, et tes convictions ?» comme si on était obligatoirement coincé d'un côté ou de l'autre. Et quand je ne craignais pas les remarques, je craignais simplement cette espèce de sensation de culpabilité, parce que je savais que j'allais encore me dire moi-même « Non mais arrête, c'est pas bon, ça altère ton image. » Quand quelque chose qui est supposé vous libérer devient une nouvelle injonction, c'est qu'il y a un problème. Donc je me suis remise en question petit à petit, et je me suis dit au bout d'un moment « Bon, peu importe, on va prendre uniquement les aspects positifs. » Donc si j'ai envie, je me maquille, et si je n'ai pas envie, je ne le fais pas. Et si ça participe à mon bien-être, alors c'est une bonne chose, et je n'ai pas de raison de m'en priver. Je fais juste en sorte que ce soit, évidemment, adapté aux circonstances. Parce que c'est comme pour l'habillement, il y a des règles logiques. Le maquillage, c'est un agrément, un petit plus pour compléter une tenue, et ça dit quelque chose. Alors j'adapte au mieux aux circonstances, c'est-à-dire que pour le quotidien, je fais en sorte que ça reste sobre, élégant et discret. Pour les fêtes dans la sphère privée, là, je reprends des styles un petit peu plus voyants. Je m'amuse en faisant des choses beaucoup plus délirantes, j'ai des palettes très colorées. Et pour une soirée ou un dîner, j'aime bien refaire des styles un peu plus alternatifs, un peu plus hors normes. Et puis la plupart du temps, je suis sans maquillage et ça me va très bien. Et du coup, je n'ai plus aucune pression parce que je peux faire ce que je veux, avec une cohérence et une vraie liberté cette fois. Quand on encadre l'apparence par des codes logiques, eh bien c'est tout de suite plus sain, parce qu'on a beaucoup moins de chances de tomber dans les extrêmes. C'est exactement comme avec les vêtements ou les bijoux en fait. Le maquillage est un ornement, on choisit ce qu'on porte, et on le fait en conscience en essayant de pas le faire machinalement parce qu'il faut bien. J'ai vraiment retrouvé un plaisir de me maquiller que j'avais perdu depuis très longtemps. Est-ce que c'est utile? Non, pas dans l'absolu sûrement. Mais à force de ne prendre les choses que pour leur aspect utilitaire, plus rien n'a de sens. Parce que la décoration dans une maison c'est pas utile, l'art c'est pas utile, les vêtements c'est purement utilitaire pour se couvrir, pas besoin qu'ils soient beaux, la beauté ça c'est pas utile, et puis qu'est-ce que le beau de toute façon? Et puis on peut aller très loin comme ça. Un des problèmes, c'est l'influence que peuvent avoir certains mouvements ou certaines personnes avec des opinions extrêmes sur quelque chose qui n'est finalement pas si anodin puisque ça touche à l'image de soi. C'est notre reflet dans le miroir, c'est ce qu'on renvoie aux autres, c'est ce qu'on a envie de montrer. Donc l'impact en réalité est beaucoup plus important que juste des questions de futilité cosmétique. Parce qu'on va dire « oui, mais le maquillage, c'est pas écologique ». Alors regardons dans la garde-robe de la personne qui vient de faire ce commentaire, regardons si elle n'a aucun vêtement en polyester, qui est l'une des principales sources de pollution des eaux, regardons si elle n'a aucun vêtement qui contient des azurants, regardons si elle va tous les jours au travail à vélo, et regardons ses cosmétiques pour savoir si elle n'a pas un seul ingrédient dans tous ses cosmétiques qui soit dérivé d'huile de palme ou d'huile de coco. Les personnes qui vous jugent pour ce que vous faites ne sont en général pas du tout exemplaires. Et pour une bonne et simple raison, c'est que personne n'est exemplaire. Quand on lit, quand on entend, quand on voit que le maquillage est une véritable oppression, que si on se maquille c'est juste pour faire plaisir aux hommes, on voit toutes ces influenceuses montrer leur peau avec un discours body positive, et quand on regarde de plus près, on voit que certaines font mine d'être totalement démaquillées alors qu'elles utilisent des filtres. Et dans l'autre sens, vous avez aussi des personnes qui se mettent volontairement dans des postures peu avantageuses ou qui font en sorte de faire ressortir leurs imperfections, alors qu'au quotidien ça se verrait beaucoup moins. Ça aussi c'est une image altérée. Ça marche dans les deux sens.
Et c'est un discours trompeur. C'est alarmant parce qu'il y a toujours un discours faux et culpabilisant derrière. Et ces discours-là sont entendus par des milliers de personnes très jeunes, des ados par exemple, qui sont déjà pas à l'aise avec leur image naturelle. Et du coup, ces ados vont se sentir encore plus mal parce qu'ils vont se dire « Ah, elles sont capables de s'assumer et moi je ne le suis pas. Elle a raison, mais pourquoi moi j'y arrive pas ?» Et donc un discours qui se veut très positif à la base, c'est très bien de normaliser les corps, les imperfections, peut avoir l'effet totalement inverse. Alors c'est super hein, de voir des vidéos de TikTok avec des femmes qui montrent leur vergeture en disant « je me libère de mes complexes », sauf que ce qu'on ne voit pas, c'est l'envers du décor. On ne sait pas si ces personnes-là ne souffrent pas, peut-être que certaines essayent de faire semblant pour suivre la mouvance body positive, pour donner une bonne image, pour faire une bonne impression. Et on ne sait pas derrière si elles n'ont pas des idées suicidaires, des troubles alimentaires, des idées noires. Parce qu'avoir un mal-être ou des complexes, c'est devenu le nouveau truc à ne surtout pas dire. Non, il faut être positif, il faut être bienveillant envers soi-même, il faut s'aimer. Comme si c'était un truc évident et facile. Et si on est complexé, on ne nous incite pas à travailler sur nous, à faire des efforts de réflexion ou à faire une thérapie. Non, non, on nous dit que ce n'est pas notre faute, que c'est la faute du patriarcat, de la masculinité toxique ou de je ne sais quoi, et que c'est l'homme qui fait les complexes de la femme. Ça revient à chasser la responsabilité pour ne pas régler le problème, et en fait juste risquer que ça devienne pire. Alors que derrière la futilité du maquillage, il y a souvent autre chose, surtout quand on est ado. Personnellement, quand j'étais adolescente, que j'avais 15 ans, le maquillage, ça me servait aussi de masque et de barrière. Quelque part, c'est une protection supplémentaire quand quelqu'un juge votre style vestimentaire gothique ou votre maquillage, ce n'est pas votre génétique ou votre personnalité qu'il juge. Donc c'est plus facile et ça pose une barrière externe. Maintenant imaginez qu'on vous fasse en permanence culpabiliser parce que vous avez cette barrière-là. Parce qu'il faut se libérer, il faut s'assumer, il faut ceci et cela. Et bien au final, vous vous sentez encore plus mal. Alors j'ai eu besoin aussi de cette période sans rien, sans maquillage, pour affronter le regard des autres, sans cette façade. Et ça a été positif au départ, mais c'est rapidement parti dans l'extrême. Aujourd'hui, je suis suffisamment affirmée pour ne pas me poser ce genre de questions, mais je comprends qu'on puisse ressentir un vrai mal-être à cause des injonctions, qu'elles soient réelles ou fantasmées, autour du maquillage. Surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, parce que avec la retouche imperceptible et la banalisation des filtres, ça augmente un phénomène qui était déjà présent. Alors attention, ce n'est pas uniquement la faute des réseaux sociaux, mais disons que ça amplifie quelque chose qui était déjà là. Seulement, l'anonymat permet à beaucoup de personnes de se lâcher et de tenir des propos offensants qu'ils n'auraient pas du tout été capables de tenir s'ils n'avaient pas eu la barrière de l'écran. Mais ce que j'entends par là, c'est que vous croisez dans la réalité une personne que vous ne connaissez pas et qui a l'air hyper bien habillée, qui a une bonne posture, une belle façon de parler, qui fait très attention à son maintien, à son allure, à son langage. Cette personne peut très bien avoir des moments où elle est seule, avachie sur son canapé, en train de pleurer avec un pot de glace. Quand il n'y a personne pour regarder, la réalité peut être vraiment autre chose. Et cet exemple-là, ça peut être une personne totalement absente des réseaux sociaux et même qui n'en consomme absolument aucun contenu. Pour autant, cet archétype-là, il existe. Il est tout aussi faux que les Instagram versus reality qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Cette espèce de fausse image, elle est tout aussi présente dans la réalité, c'est juste que les réseaux sociaux amplifient le phénomène. En fait, souvent, on porte un jugement sur quelqu'un ou quelque chose et ce jugement s'avère complètement erroné. Et on n'a pas attendu les réseaux pour ça. Ce qui serait bien, ce serait de s'affranchir de façon globale du jugement. Qu'on arrête de juger les personnes qui se maquillent et qu'on arrête aussi de juger les personnes qui ne le font pas. C'est quelque chose qui était très très présent dans l'espèce de sphère il y a quelques années, soins naturels, bio, etc. C'est l'agressivité, la culpabilisation et le jugement en disant « Regarde, elle n'est pas assez engagée, elle fait ça et ça ». C'est pratique de sans arrêt pointer les erreurs d'autrui pour ne pas avoir à travailler sur ses propres défauts. Quelques années avant d'arrêter le maquillage, j'avais déjà commencé à utiliser des soins naturels pour mes cheveux et je faisais des teintures au henné. Et j'avais comme ça des personnes qui venaient et qui étaient extrêmement agressives envers moi parce que si t'es naturel, il faut l'être jusqu'au bout, il faut arrêter de te maquiller, il faut arrêter de faire ci, de faire ça. Le maquillage, c'est pas naturel. Effectivement, ça n'est pas naturel, c'est culturel. C'est un ornement comme un autre, comme les vêtements ou les bijoux. Quelque part, brosser ses cheveux et les soigner pour qu'ils soient beaux, ce n'est pas naturel non plus. Pour autant, est-ce qu'on devrait les laisser vivre, les laisser devenir un gros sac de nœuds et vivre comme ça au quotidien? Je ne suis pas sûre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est rien, vous inquiétez pas. Un peu de mesure, ça ne fait pas de mal non plus. Juger les autres, on le fait tous et parfois même sans s'en rendre compte. Moi-même, j'ai beaucoup porté de jugements négatifs sur d'autres personnes et parfois, même très souvent, ça partait d'une bonne intention. Parfois on juge quelqu'un
en pensant l'aider, c'est ça qui est incroyable. Même des gens qui étaient dans une situation que j'ai moi-même vécue, je me disais, mais pourquoi elle se rend pas compte que, mais pourquoi elle voit pas que, alors que chacun a ses propres prises de conscience et traverse différentes phases. Chacun a son rythme et a sa propre vision des choses. C'est aussi ça qui est enrichissant, ce sont les différences de points de vue. Et puis n'oubliez pas qu'un avis, ce n'est pas figé dans le temps. Vous avez absolument le droit de changer d'avis, de changer de conviction et d'adapter votre esprit, quel que soit le sujet. Pour ma part, ces dernières années, j'ai changé d'avis sur énormément de sujets. Le maquillage en fait partie. Et c'est pas grave du tout. On peut soutenir une idée un jour et se rendre compte qu'on a fait fausse route. Aujourd'hui, je sais que si quelque chose comme le maquillage participe à mon bien-être, même un truc bête ou futile, eh bien, ça en fait quelque chose d'utile. Parce que l'équilibre, la santé mentale, c'est très important. Si quelque chose vous fait plaisir et que ça vous rend plus serein et plus apaisé, alors c'est positif pour vous. En tout cas, je serais très intéressée de connaître votre rapport personnel avec le maquillage. J'espère que ce sujet vous a intéressé. Ça me paraissait important d'en parler parce que, évidemment, quand on change sur Internet, et ça peut se comprendre, beaucoup de gens ont du mal avec ça. Et je sais que j'ai pu m'exprimer parfois de façon assez vindicative, assez agressive. Trouver un équilibre n'est pas toujours simple et je pense que j'avais besoin d'avoir des revendications et des convictions pour compenser un petit peu ce qui m'était arrivé lorsque j'étais plus jeune, puisque quand on tombe souvent dans des relations toxiques, ce n'est souvent qu'une suite logique, une réponse à un événement traumatisant. Voilà pourquoi il convient de s'affranchir du jugement, prendre du temps pour soi et prendre soin de soi, ça peut se faire de différentes façons. Finalement, moi, c'est grâce au maquillage que j'ai recommencé à prendre soin de ma peau et ces petits moments que je consacre uniquement à moi-même sont très importants pour mon équilibre. On s'en rend d'autant mieux compte quand on est maman et qu'on a besoin de moments seuls, ce qui est normal. En tout cas, à partir du moment où quelque chose vous fait du bien, ne culpabilisez pas sous prétexte que ça ne correspond pas à 100% avec tel ou tel mouvement. Quoi que vous fassiez, il y aura toujours des personnes qui trouveront quelque chose à redire et ce n'est pas grave. Faites les choses pour vous au maximum, c'est très difficile de trouver un équilibre, mais on peut finir par y arriver. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, je vous souhaite une très bonne journée, et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.